les chantiers sont difficiles à, parce que ils ouvrent le trottoir par exemple sans laisser de place pour les chaises roulantes, les poussettes ou les personnes âgées pour traverser. Il y a une grosse marche, ils ne mettent pas de plan incliné pour passer cette marche. Parfois, le chemin de contournement a parfois soit pas été prévu du tout, ou il a été prévu, mais sans faire attention aux personnes en chaise roulante. Et on va par exemple faire passer les piétons pour contourner un obstacle en les faisant passer par une bordure ou par un trou ou un cheminement qui n'est pas sécurisé. Certains dangers réels n'étaient pas signalés, donc c'est un danger pour moi en tant que personne malvoyante, mais ça peut aussi l'être pour un enfant ou une vieille personne qui fait moins attention ou qui ne voit pas. Donc par exemple, il y a parfois des bouches d'égout ou des trous dans le trottoir qui ne sont pas indiqués. Donc parfois les couloirs pour passer justement et pour contourner les travaux ne sont pas spécialement larges.